Bonjour à toutes et à tous. Buonasera tuturor, en savorbesque lingua francese. Nous vous remercions, la librairie Keralina, bien évidemment. Nous remercions Camélia Vezzelanou, qui aussi a aidé à la préparation de ce soir, de cette rencontre, de ce dialogue, pour le carrousel, et puis l'ouverture de l'Institut de la petite enfance Boris Cyrulnik à Bucarest, Paul Mariescu aussi, des éditions Spandugino. Donc ce soir, nous allons avoir un lancement de livres. Alors, mon roumain, et je fais ce que je peux, hein, je vous préviens. Donc, Ispita bine lui, este mai mult pericolos decât Ispita raului. Je m'en suis entraîné. Voilà, donc pour le lancement de cet ouvrage en roumain. Et puis, on ne présente plus monsieur Cyrulnik. Je remercie aussi Ovidiu Verdes, qui est là, de l'université, donc, de Bucarest, de la faculté des lettres, et puis aussi Doina Gela, qui est là, voilà, et qui est traductrice, écrivain, journaliste, vous me dites, s'il y a encore d'autres choses. Non. Retraité. Retraité, bon, c'est aussi un métier. Voilà, en tout cas, on est très heureux de recevoir ce soir M. Boris Cyrulnik, on est très heureux que vous soyez tous ici, là, public. À la fin, vous pourrez bien sûr avoir la séance de dédicace. Moi, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est la première fois que je rencontre M. Cyrulnik en tant que directeur de la librairie. Avant, j'étais en tant qu'auditeur et je posais des questions. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la parole à M. Paul Marinescu. Allez-y. Je partage les émotions.